dites, monsieur le docteur, qu'est-ce que vous me regardez cette carte tout le temps? Je connais le trajet quand même. Contentez-vous de piloter, vous. Une centenaire en pédalo irait beaucoup plus vite. Content de te voir aussi, Marsu. Un authentique spécimen de Marsupilamus fantasy. Le Marsu, oh ouais, c'est le grand copain au milieu, ouais. Gentil. Arrête, Marsu, relis ça. Non, rends-moi ça, sage. Arrête, rends-moi cette carte. Excusez-le, il est plutôt joueur. C'est marrant votre truc. On dirait une carte au trésor. Oh. Non merci, sans façon. Oh Marsu, t'as avalé de travers. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Une vieille chevalière avec des armoiries. Ce n'est pas très lisible. T'as vu, on dirait qu'il y a un S. Ça t'a pioche? Je vais la faire expertiser sur un site internet. Non. Voilà, cette chevalière appartenait probablement à l'équipage de la Santa Pioca. Santa Pioca? Oui, ça colle. La Santa Pioca est un vieux galion qui a disparu alors qu'il remontait le Supopuaro. Je me suis lancé sur sa trace. Ouah! Attends, arrête. Vous voyez, il aurait sombré là, dans ce lac. Vous êtes archéologue? Mais pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Parce que mieux vaut ne pas éveiller les soupçons de vils pilleurs d'épaves. J'ai déjà un petit peu de matériel pour mes recherches. Sonar, équipement de plongée. Oh, bien sûr, une embarcation serait des plus précieuses. Sans compter un soutien informatique. Ah oui, bien sûr, mais c'est-à-dire que j'ai moi-même du travail en cours et... Hein? Il va de soi que l'État récompense les découvreurs de trésors. De trésors archéologiques, Santin. Un trésor? Allez, papa, dis oui. Qu'en pensez-vous, monsieur Dédé? Oui, monsieur. Bon, si vraiment tu... Ouais! T'entends ça, Marsu? On part à la recherche d'un trésor! Oh, bah! Oh, bah! Allô, monsieur Jean-Pierre, vous me recevez? Impeccable, je vous reçois parfaitement. La transmission est excellente et tous les réglages sont OK. Oupi l'ami, hein? 5 sur 5 pour la caméra de Théo. On restera en contact par radio. Ne va pas trop loin pour commencer. T'en fais pas, il n'y a même pas un seul piranhas ici. Ah, ouf. À tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, Marsu. Théo a déjà fait de la plongée. Marsu, mais qu'est-ce que tu... Non, je vais bien. Regarde, je respire. Mais remonte maintenant, tu vas finir par te noyer. Marsu, non, reviens. C'est trop profond pour toi. Marsu ne remonte toujours pas. Marsu, je ne le vois plus. Marsu. Alors, quelle découverte! Ah bon? Le Marsu est amphibie. Il sait respirer sous l'eau.
en sonar. Pas l'ombre d'une trace d'épave. Et ces deux-là s'amusent tellement qu'ils en ont oublié leur chasse au trésor. Santa Pioca, où est-elle? Raconte-moi ce que tu as vu. Alors ça, c'est extraordinaire. Je crois qu'ils veulent apprendre à faire ça, eux aussi. Je vais m'assurer que l'intérieur est praticable. Attends-moi ici. Wow, c'est sinistre ici. Ces imbéciles m'ont bien aidé. Il ne me reste plus qu'à trouver le trésor. El Doctor sera riche. Eh bien, heureusement que vous étiez parti avec le minot et son marsu. Fais pas, va, tu apprendras vite. Vous comptez replonger? Ça me paraît plutôt risqué, ce genre d'expédition. Bien plus que vous ne le croyez. Si ce noble animal vous honore de sa confiance, peut-être entendrez-vous ma mise en garde. Craignez, oui, craignez la malédiction du trésor de la Santa Pioca. Ah bon? Un trésor? Oh, mais c'est une formidable nouvelle. Archéologique, j'entends. Ah, les voilà. Tiens, chérie, je te présente Monsieur Yamatunga, qui va nous initier au secret de la jungle. Oh, coucou. Il a des tas de choses à nous raconter sur cette fameuse épave. Je vais faire du thé. Les conquistadors de la Santa Pioca convoitaient le trésor du marsupilami Coalt. Mais avant qu'il ne s'en empare, un prêtre lui jeta un sort. Quiconque le convoitera sera exposé aux tourments de sa terrible malédiction. C'est ainsi que durant leur voyage de retour, l'équipage fut accablé de terribles malheurs. De nombreux conquistadors tombèrent gravement malades. Ils affrontèrent les terribles indiens réducteurs de tête. Pour finir, le galion fit naufrage. Réfléchissez à mes paroles. On devrait prendre au sérieux ce que dit cet homme. C'est vrai, il connaît beaucoup de choses sur la jungle et nous... Superstition ridicule!
On renoncerait parce qu'un sorcier nous a fait son numéro. Priver ce pays de son patrimoine, de son histoire, ce serait un crime. Sans parler de notre récompense. Il a raison, un trésor sous nos pieds, moi je n'appelle pas ça une malédiction. Et puis, nous on s'éclate avec Marsu, pas vrai? Allez-y si vous voulez, mais ne comptez pas sur moi. Et vous, que décidez-vous d'aider? Oh, moi, si ça peut faire un plaisir au minot. Ouais! Trésor, yahoo! Hein? J'espère qu'il n'y a pas de fantômes sous l'eau. Ouba, ouba, ouba. Le marsu a trouvé quelque chose. C'est le trésor! Le trésor! C'est le trésor! Oh, mais je rêve, c'est pas possible! Petit, c'est elle, docteur! Ne touche à rien, surtout, tu entends? J'arrive! Oh, c'est le trésor, Marsu! Tu te rends compte? On est riche! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Piranhas, des anacondas et quoi encore? Ça devient trop dangereux, ces plongées. Ouais, on peut dire adieu au trésor. Il faudrait être une force de la nature pour y retourner. Rien, juste 6 mois de recherche parti en fumée. Ma carrière est fichue. Ah, je vois, une malédiction en quelque sorte. Mais tu m'énerves avec ta malédiction! Tout ça n'est qu'une suite à... Quelle coïncidence! Oh, de l'or, et le docteur adore l'or. Génial, Marsu! Encore quelques plongeons et tu auras ramené tout le trésor.
Bah non, tu sais bien, les piranhas... Oh, Marsu, tu vas pas arrêter maintenant? Il reste plus grand-chose à remonter. Allez, c'est pas la mer à boire. Dans la jungle, on y joue tout le temps. Viens, allez! Là, pour une fois qu'il y avait un truc différent, tu nous laisses tomber, alors? Merci, c'est sympa. Ah oui, et ça, qu'est-ce que c'est, Ouba Ouba? Monsieur, je pense qu'à jouer, Ouba 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 Ouba. Mais enfin, c'est ridicule. T'es une scientifique, comment tu peux croire à des balivernes pareilles? Oh, et puis après tout, pense ce que tu veux. Mais s'il t'arrive encore des catastrophes, ne viens pas te plaindre. T'es vraiment nul des fois quand tu t'y mets. Si c'est comme ça, eh ben j'irai tout seul, je m'en fiche. J'ai pas besoin de toi d'abord. Fada, tu vas te laisser faire, oui. Ton papa, c'est rien qu'un égoïste. Je m'en fiche pas mal qu'il veuille pas m'aider. S'il croit que ça m'embête... Mais je sais pas ce qu'il a, ce moteur. Que je commence à me demander si ce Yamatunga-là, il a pas un peu raison avec ses malédictions. Il est nul, ce trésor, Dédé. Tant qu'il y avait le Marsu, c'était marrant. On doit pas échanger un trésor contre un ami. Et un ami comme ton Marsu, ça vaut tous les trésors du monde, mon petit. Si ça continue, ces idiots vont le remettre à l'eau, mon trésor. Il est grand temps d'appliquer le plan prévu. Tu sais, Mino, si tu veux, on peut... Archéologue, toi-même, je le garde, le trésor. Vous n'en vouliez plus, de toute façon. Il va marcher, oui, ce ravion infernal. Oh, le truand! Vite, Marsu! Pardonne-moi, tu avais raison. Ce trésor est forcément maudit puisqu'on se dispute à cause de lui. Je n'en veux plus. Des amaryllis sentiflorus, mon chéri. Mon adorable puce en lithium. Adieu, trésor. Bon débarras. Et
amis. Puisse la colère du marsupicoalte ne jamais ressortir de ses eaux profondes.